Pif et Hercule. Ont la formule pour être des copains. Dans une île au trésor ou sous un réverbère qui soulève un nuage de poussière. C'est bien délicat quand on est chien de supporter les chats. Oh, Pif et Hercule, deux drôles de rigolos qui démantibulent les fusées, les pianos en tournant tout autour de la terre. Pour mettre le monde à l'envers, Mardo, Pif et Hercule, ont la formule pour partir vers de nouvelles aventures. Oh, vous avez remarqué, tel que vous me voyez, je suis en route vers la respectabilité et la fortune. C'est-à-dire que je vais à l'étranger prendre la direction du restaurant Snow City. Il faut pas me demander où ça se trouve, Snow City. Ah ça non, mais c'est forcément situé très très loin d'un matou noir et blanc à sparadrap rouge. Vous voyez qui je veux dire? Et vous voulez ma photo? Vous avez jamais vu un homme d'affaires, peut-être? Parfaitement un homme d'affaires. Je suis le nouveau directeur du grand magasin de sport de Snow City, quoi. J'y vais de ce pas avec mes bas. Arrêtez-les! Oh, oh! Mes bagages! Non, mais arrêtez-les! Mes bagages! Oh, oh, non, oh! Pas lui! Toi? Monsieur, je vous saurais gré de céder la place à un notable de Snow City. Snow City? Un notable? Je suis au regret de vous dire que vous vous mettez le doigt dans l'œil, monsieur. Le notable de Snow Machin ici, c'est moi. Monsieur rigole sans doute. Tiens, tu vas voir si je rigole, tiens. Du pif. Ce qui va me faire rigoler, c'est quand tu auras avalé ton sparadrap. Eh oh, les pigeons pour Snow City, embarquement illico, porte de service. Snow City, c'est mon vol. Pour décoller vers Snow City? C'est-à-dire que... Une seconde, les gars. Mais... Ah. Ça fait du bien. Vous êtes bien les passagers pour Snow City, mais... Oui, c'est moi. Une seconde, les gars. Ah, c'est bon, vous avez des bagages. Non. Parfait, les gars. Parfait. Alors, hop, dans la fille de l'air. Hein? C'est ça, la fille de l'air? Et comment, jeune homme? Une seconde, les gars. Ah, c'est bon. Fière allure, pour vrai. On imagine la grand-mère. Attachez vos seins. On va tâcher de décoller. Je ne trouve pas les ceintures, capitaine. Oh, c'est bon. Les ceintures, des bretelles par terre à vos pieds. Ah, c'est... Les ceintures? J'ai peur. Si t'es pas content, t'as qu'à descendre. Personne ne t'a demandé de me suivre. Te suivre? Mais c'est toi qui... Viens. Oh,
s'intéresse à la mécanique. Snow City, préparez-vous à sauter, les gars. Sauter ? Oh, c'est haut, dis donc. Article de plage. Et on est au pôle Nord. Ah non, pour un notable, ah, tu fais très très fort là. J'en connais un autre notable qui fait très fort. Parce que pour un restaurant, c'est vraiment de circonstance. Et ton truc, c'est de circonstance peut-être? Plus que le tien, notable minable. Répète. Notable minable. Et ça, c'est minable? Dix jours que je suis dans ce trou perdu et pas un seul client, rien et rien à se mettre sous la dent non plus. Il y en a marre, je vais tout de même pas aller acheter des glaces chez le notable Biff. Hercule, viens voir. Il y en a marre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ben, monte. Je voudrais vérifier quelque chose. Ah non, non et non. La fille de l'air, ça m'a suffi. Pouf, t'es vraiment un trouillard. Quoi? Trouillard, moi? Ça, eh ben c'est ce qu'on va voir. Parfait, ne bouge plus. J'en ai pour une minute. Mais qu'est-ce que... Pif! Non, arrête! Hé, non! Pif! Oh non! Pif, s'il te plaît, non! Mais qu'est-ce que tu fais là? Non! De la publicité, mon vieux! Et n'oublie pas de garder le sourire! Cabot de malheur, je te revoirai ça! Encore un vol de routine, commandant? Eh oui, c'est le Magic qui veut ça, petit. Oh! Et qu'est-ce que c'est que ça? Non! Stop! À droite, à gauche, plus haut, arrêtez, non. Ah mais bravo! Quand Monsieur Pif veut attirer la clientèle, il n'y va pas de main morte. Oh, mais ça va pas se passer comme ça. Oh non, tais-toi et cours! Je vais te... Ah non, mais je vois pas pourquoi je me tairais non plus. Et ni pourquoi je... Non.